Salut à toi Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, on parle d'annotation, de labeling comme on le dit en anglais. Quand tu as ton graphe et que tu veux identifier des points, comment tu fais pour ajouter du test à ces points en utilisant ggplot? Si tu ouvres ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, comme on le sait déjà, il y a des fois où lorsqu'on fait notre présentation, lorsqu'on fait notre graphe, ça y est, on a envie d'identifier certains points, de les identifier, de mettre du test pour dire, par exemple, celui-ci, c'est un outlier, et puis c'est telle variable, c'est celui-ci là, c'est celui-ci, et puis c'est telle compagnie, ainsi de suite, c'est tel pays, ainsi de suite, n'est-ce pas? On a besoin de faire cela, non? Alors, lorsque tu es dans ggplot, comment tu le fais? C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça y est. Et pour le faire, forcément, on va rester dans la même logique, on va appeler tidyverse. On doit être maintenant habitué à Tidyverse. Hein? Et puis cette vidéo, comme je l'ai déjà souvent dit, elle s'inscrit dans une série de capsules que je suis en train de faire pour nous permettre donc, pour nous permettre de comprendre ggplot, d'apprendre ggplot et puis de savoir faire de belles choses avec ggplot en utilisant juste de simples petits codes. Ça y est, je fais tout casser pour te permettre de comprendre. On est d'accord? Alors, donc on va appeler notre base de données, on va faire mslip. C'est celle qu'on est en train d'utiliser. Il faut regarder les capsules précédentes et tout ce qu'on est en train d'apprendre, c'est du coup, je suis en train de construire l'un sur l'autre. Il faut faire ça, ça y est, c'est bon, c'est là. Ok, alors on va attacher cela. On va attacher cela et ça fait memory sleep. On attache memory sleep et puis je te dis de faire attention avec attache aussi. Hein. Ça, c'est des préliminaires que je suis en train de dire. Comme ça, il faut faire très attention avec attache. Je suis en train d'utiliser une seule base de données ici. C'est un tutoriel que je fais forcément. C'est pourquoi j'utilise attache pour aller très vite. Si tu as plusieurs bases de données ou bien plusieurs variables qui sont mélangées et que certains ont le même nom, si tu utilises attache, ça peut créer de la pagaille dans tes trucs. Il faut faire très attention quand tu utilises attache. Ça, c'est pour et c'est contre. Il faut faire attention à cela. Ça, c'est pour commencer. Alors, ce qu'on va faire, je vais maintenir le tutoriel. Enfin, ce que je vais te montrer simple pour qu'on puisse voir clairement ce qu'on est en train de faire. Maintenant, tu peux appliquer ça à n'importe quelle base, n'importe quelle taille. Ça va s'appliquer naturellement. Ça y est. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va d'abord faire table. Je te montre très clairement ce que je fais. On va faire table. On va appeler for. On est en train de travailler avec les for. On est d'accord, la variable for. Dans mslip, si tu es en train de nous prendre, regarde les capsules précédentes, c'est très important. Alors, regarde, il y a Carni, Herbie, Insecti et Omni, n'est-ce pas? Insecti n'a que 5, tu vois, il n'y a que 5 observations qui sont des insectivores. Donc, on va travailler avec insectivores pour faire ça 5 ou bien 4 ou 5 petits pour qu'on puisse voir clairement ce qui se passe. Ça y est, alors reste avec moi donc. Donc, je vais créer une base que je vais appeler insectivore. Je fais un subset rapide, hein, un subset. Donc, ça va être memory sleep, n'est-ce pas? Et on va dire partout, tu vois les vores qui sont insecti, tu nous les prends. Ça marche? Voilà, donc on a une base comme celle-ci, elle s'appelle insectivore. Et puis, tu vois, elle apparaît là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 observations à l'intérieur. On est d'accord? Bon, maintenant, regarde un peu. Hein. On peut regarder l'entête ici. Je vois. Regardons un peu l'entête ici avec insectivore. Effectivement, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, voilà. Hein. Donc, on a les noms qui vont nous intéresser forcément. Donc, on va utiliser la variable name pour mettre le nom sur les observations, les identifier. On est d'accord. Mais regarde ici, on a sleep total et sleep REM. Et on voit qu'au niveau de sleep REM, il y a une variable qui est manquante. C'est pourquoi les variables manquantes. J'ai fait une capsule sur les variables manquantes pour t'apprendre comment tu les gères. Je vais te mettre peut-être ça quelque part dans la description là. Ça y est. Mais il faut déjà savoir qu'ici, on aura forcément un message d'erreur qui va nous dire que, bon, il y a une ligne qui ne va pas. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. On est d'accord? Alors, on va utiliser notre base insectivore pour pouvoir faire le travail. Et comme on le sait déjà, on va appeler ggplot. Donc, je fais ggplot. La base de données, c'est insectivore. Et puis, pour l'esthétique, on va rester dans le même état d'esprit, hein, comme ce qu'on faisait déjà dans la capsule précédente. Je t'invite vraiment à regarder les capsules précédentes. C'est très important parce que je vais construire dessus, quoi. Ce que je fais de cette capsule, on va apprendre beaucoup de choses qu'on a déjà vu dans les capsules précédentes. Fais à ce que tu les as vues pour le trait en marche. On est d'accord? Donc, et je vais utiliser sleep REM. Et celui-là, c'était Y. Ça va être sleep total. Sleep total, parfait. On est d'accord. Et puis le geom qu'on va utiliser, c'est le geom point.
Regardons déjà à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Donc voilà, on a un message d'erreur, une ligne qui est manquante. Bon, comme on est entre fait du labeling, c'est vraiment pas... Ce qui va se passer ici, c'est ici et puis là. Donc on va zapper sur les messages d'erreur, on va pas trop s'en inquiéter. On est d'accord? Donc on a les points qui apparaissent là à l'écran, comme on le voit, le slip RPM, le slip total. On a 4 observations. Bon, c'est pas vraiment la tendance qui nous intéresse, c'est l'objectif, c'est de faire de la notation. Alors, pour faire de la notation, on utilise un théorème qui est très simple. On utilise le théorème test, ça y est. Donc, on va faire théorème test. C'est d'ailleurs un peu ça ce que je vais te montrer. Je vais te montrer 2 ou 3 petites choses, ça y est. On va aller, la difficulté sera un peu plus croissante, mais tu vas voir que la personnalisation, le freedom, la capacité à pouvoir manipuler, contrôler ce que tu fais toi-même va aller de plus croissant. La difficulté va aller croissante, mais la capacité à maîtriser ira croissante. On est d'accord, tu restes avec moi. Si tu es là pour la première fois, je t'invite vraiment, il faut t'abonner, ça y est, mets-moi un pouce bleu et puis on continue par apprendre. Donc on va faire Geom Point et Geom Test, ça y est. Donc Geom Test, la première chose qu'il faut faire avec Geom Test, c'est qu'il faut forcément lui préciser l'esthétique qu'on est en train d'utiliser. Donc au niveau de l'esthétique, on va dire que ça va faire Y, je vais utiliser Slip Total, hein. Slip total, parce que c'est celui-là, c'était Y, ça y est, slip total, je vais faire moins 0,5 pour que ce que je suis en train de faire en réalité, c'est que je veux que le test reste cadre la position sur l'aster ins, le même sur l'aster ins comme ça, mais que ça soit en bas ici, là, ça y est, donc je dis garde-moi le même ins, mais pour le Y, il faut prendre le slip total et tu vas diminuer, on a qu'à faire 0,5 et voir, on fait et après on va faire quelque part là, ça y est, quelque part là. Donc, ça va me rester 0,5 par là et on va voir pour l'ensemble. Pour le label, donc on va utiliser names. Label name. Name, ok? Alors, la variable name, on peut regarder ici rapidement, hein? Insectivore, on peut regarder à l'intérieur la variable name, voilà. Donc, tu vois, les 5 noms qu'on a sont bien là, hein? Sont bien là. Donc, on va les voir apparaître à l'écran. Ça va être très classique. Donc, regarde, on fait label name et on exécute. Regardons à quoi ça ressemble déjà. Parfait, on a quelque chose de ce genre. Tu vois, donc on a les noms qui apparaissent sur les points de façon classique, comme on a l'habitude de le voir. Alors, ce qui se passe ici déjà, c'est qu'il y a deux petits problèmes, enfin, l'un ou l'autre, quoi. Regarde, il y a, par exemple, cette observation-là, quelque chose American Mole qui est caché, qui est là, et puis ici aussi, tu vois, il y a quelque chose qui est caché là. Donc, 2 solutions pour régler ce problème-là, qui embête déjà notre graphe, soit on réduit la taille du test, le test tel qu'il est là, peut-être il est trop gros, on réduit un peu sa taille, ou soit encore on écarte un peu, ici c'est sur l'aster ins, donc on va écarter un peu sur l'aster ins pour voir si en bougeant un peu sur l'aster ins, ça va pouvoir pour qu'on puisse avoir quelque chose de beau, n'est-ce pas? Alors comment tu fais ça? C'est déjà des choses qu'on a déjà vu, on va revenir au niveau du geom test parce qu'on veut contrôler. Regarde, je te rappelle, ici j'ai utilisé l'esthétique pour le Y et pour le label. Le label, parce que j'ai utilisé la variable name, c'est une variable qui est dans la base de données, donc j'utilise l'esthétique. Et ici, j'ai utilisé slip total pour pouvoir définir mes Y. Tu te rappelles, non? Donc, à chaque fois que j'utilise une variable pour pouvoir définir le comportement de la géométrie, j'utilise une esthétique. Vraiment, il faut regarder les capsules précédentes pour asseoir les bases pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est un peu ça. Et donc, on va changer la taille. On peut la mettre peut-être à 3. Regardons à 3 ce que ça donne. Bon, voilà, c'est devenu un peu plus petit, mais apparemment, le problème n'est pas réglé. Hein? On est d'accord. Donc, ce qui serait mieux de faire alors, c'est de sortir de la géométrie et d'augmenter un peu l'aster ins. On est d'accord. Donc, on a ici un truc qui va de 2 à 6. Je vais prendre le ins, la limite. Donc, ins lim. Je vais prendre de 1 à 7 et regarder comment ça se comporte là. Parfait. Apparemment, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Voilà. Tu vois. Donc, le problème est réglé. On peut agrandir un peu. Regardez là. Donc, c'est comme ça que tu regardes quoi. Tu regardes ton graphe. Tu le construis en travaillant de façon intelligente. En regardant ce que tu as. Donc, on a les points qui sont relativement bien réduits là. On a de l'espace. Le plot est bon. Ça peut aller. Voilà. Alors, donc, quand on l'a fait comme ça, il faut maintenant l'habiller, le faire proprement. C'est ce qu'on va faire avec Labs. On l'a déjà appris et tu le sais déjà. Donc, on va faire Labs. Donc, tu l'as fait ins. On va mettre Slip. REM, slip REM, ça y est, puis ça fait en heure. Hein. Et celui-là, c'était Y, qu'on va mettre le slip total. Et puis là, on le met aussi en heure. Attention là, en heure. Et puis on peut aussi mettre un titre. Hein. On peut faire un titre, c'est un truc du genre
On fait insectivore, attention, je le mets en majuscule, insectivore, quelque chose du genre, et on dépose dessus et on regarde à quoi ça va ressembler. Parfait. Donc ça nous fait déjà quelque chose de relativement cool. C'est bon? Donc voilà, et puis on a grandi un peu. Parfait. Donc on a le slip en neuf, last day ins, un titre qui est ajouté avec notre équipe. Voilà. Donc dans l'ensemble, c'est déjà un bon début. On peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Naturellement, n'est-ce pas? Donc on peut faire mieux. Alors regarde, la première chose que je suis en train de voir ici déjà, c'est que, regarde, la distance, l'écart entre le test et puis le point est un peu grand. Je veux réduire cela un peu. Ça y est. Et on peut aussi changer un peu les couleurs, rendre ça un peu plus gai, un peu plus vivant, n'est-ce pas? Bon, c'est des choses que tu dois normalement déjà savoir, hein? Et on peut faire cela. Donc j'avais pris Y moins 0,5. Je vais prendre peut-être moins 0,3 et regarder comment ça se comporte. Si ça se referme un peu. Bon, ça s'est refermé un peu. On est d'accord. Et puis on peut changer aussi la couleur des points. Donc je fais au niveau du géant point. Je peux. Attention là. On prend la couleur rouge peut-être pour les points. Et puis on peut augmenter un peu la taille des points aussi pour le mettre à 2. On regarde ici ce que ça nous donne. Parfait. Donc, on a déjà quelque chose qui tient relativement bien là où les points se font. Tu as vu, l'espace c'est réduit, n'est-ce pas? L'espace est réduit et puis on a un truc comme ça. On peut même aussi changer si tu veux. On peut changer la couleur du test lui-même. Donc, je viens au niveau du géome test. Et puis là, je vais mettre quoi? La couleur, je le mets en or. Je le mets en or. Enfin, un truc comme ça, je le mets en or. Voilà. Oh, pff, regarde. Oh, ah bon, il y a un or, mais apparemment, c'est pas très visuellement attractif. On va le mettre au bleu. C'est pourquoi j'utilise souvent cette couleur classique là quand je suis en train de faire les tutoriels pour toi. Maintenant, c'est à toi, quand tu es en train de travailler, de voir ce qui correspond vraiment à ce que tu fais, la beauté de ton test, la beauté de ton papier, peut-être des choses comme ça. Tu ajustes les couleurs pour que ça soit visuellement attractif. Donc, je me mets au bleu ici. Voilà, et on a quelque chose de ce genre. Ça y est, voilà. Donc, quelque chose qui tient relativement bien la route. Les axes sont bien définis. Tout est bien là avec un titre précis. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un début d'annotation. Quelque chose qui tient la route et qui fait le truc et qui est bon. On est d'accord. Voilà. Si tu es d'accord avec ça, si tu kiffes ça, mets-moi un pouce bleu. Puis, on va continuer pas à avancer. On est d'accord là. Alors, maintenant, l'autre chose, c'est que il y a des fois où, quand on est en train de travailler, au lieu de labelliser, au lieu d'annoter ou bien au lieu d'identifier tous les points, on a juste envie de labelliser quelques points de façon particulière ou bien. Parfois, par exemple, on a un point qui est un outlier, un truc comme ça, ou bien on a un point qui est une société particulière. Par exemple, c'est la plus grande société de la place, un truc du genre, quelque chose comme ça. Et tu veux le labelliser pour montrer que c'est ça. On est d'accord. Lorsqu'on est dans ces cas-là, on n'a pas besoin de mettre le label partout. On identifie ces points-là et on met. Comment tu fais ça? Comment on fait lorsqu'on veut identifier des points particuliers et qu'on veut mettre juste le label sur ces points? Alors, il y a deux façons de le faire dans R. La première façon de le faire, c'est que tu laisses R faire le boulot pour toi. Ou la deuxième façon, c'est que toi-même, tu fais le boulot et tu as plus de contrôle. Je vais te montrer les deux. Je te montre les deux et on va le faire de façon pas à pas. On ira au pas à pas. Ça y est. Premièrement, je vais te montrer comment tu laisses R faire le boulot pour toi. R va faire ce qu'il peut. On est d'accord. On va voir ça. Regarde alors. Regarde alors. La première des choses qu'on va alors définir, c'est qu'on va créer une nouvelle base qui va contenir juste les points qui sont d'intérêt pour nous. Juste ces points qui sont d'intérêt pour nous. Ça y est. Et lorsqu'on va faire cela, on va utiliser maintenant cette base dans le nouvel esthétique, la nouvelle géométrie pour pouvoir travailler. Je te montre comment tu fais ça. Je te montre rapidement comment tu fais ça. On peut appeler notre nouvelle, le subset qui nous intéresse, par exemple. Supposons que ici, on veut simplement labelliser. Regarde, hein, supposons que ici, on veuille simplement labelliser le Eastern American Mole et puis le Giant Armadillo. On veut juste labelliser ces deux-là. Donc, on ne va pas labelliser les deux qui sont en haut. C'est juste peut-être ces deux variables, ces deux observations qui sont d'intérêt pour nous. Ça y est. Donc, je vais appeler ça. On va les identifier. On va appeler ça observation d'intérêt. Un truc comme ça, classique, hein, n'importe quoi. Ça y est. Je vais faire C à l'intérieur. Je vais voir ça. Je peux rapidement copier ici. Je peux rapidement copier ici. Voilà. Donc, je prends celui-ci. Je prends. Copie. Je colle ici. Voilà. Bon, souvent, c'est juste quelques deux ou trois points comme ça que tu veux identifier, quatre ou cinq. Donc, copier-coller n'est pas vraiment un grand problème. Ça peut se faire rapidement là. Mais on ne va pas oublier de mettre ici à l'intérieur. On va mettre une parenthèse. C'est bon. Et puis, on a donc nos observations d'intérêt.
ça marche. Alors, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle base d'intérêt. On va créer une nouvelle base d'intérêt qui va contenir juste nos observations d'intérêt pour qu'on puisse la mettre au niveau du géome et override. C'est effacer ce qui se passe au niveau du géome précédent. Tu connais la technique, non? Si tu n'as pas regardé les capsules précédentes, il faut les regarder. Va les regarder et reviens. On est d'accord? Voilà. Donc, je vais faire insectivore d'intérêt. Insectivore d'intérêt. Je fais un truc comme ça. Je fais du subset. Et qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais utiliser quelque chose. Oh là, ça fait du bruit à côté, je sais pas. Je vais voir si je peux rapidement fermer là. Voilà, pour que ça ne me gêne pas, je reviens. Donc, allez, regarde ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que on va faire du subsetting. Donc, je vais utiliser quoi là? J'utilise Insectivore. On va utiliser une feuille Insectivore. Je te montre rapidement quelque chose. Ça peut être un peu intimidant, mais vraiment, il ne faut pas te laisser intimider par cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Names. On va dire donc, dans la base Insectivore, partout, tu vas voir que la variable Names sera égale à notre observation d'intérêt. Elle sera égale, par exemple, à Giant, Armadillo et Eastern Mirror. Partout, tu vas voir que ce sera les mêmes choses. C'est cet endroit-là là, que tu coupes. C'est ce qu'on veut faire. Alors, pour le faire, on va utiliser l'opérateur in. Pour utiliser l'opérateur in, tu fais le signe de dièse, tu fais int. Donc, name in observation d'intérêt. On est d'accord? Donc, on va faire observation d'intérêt. Voilà. Donc, partout, tu vas voir le nom qui sera dans observation d'intérêt. Tu me prends ça dans insectivore, dans notre base initiale qui est insectivore. Ça y est, tu as compris le principe. Donc, ce truc-là, que ça ne te gêne pas du tout, c'est l'opération in pour dire dans ceci, tu me prends cela. Ou bien intersection, un truc comme ça, dans tu me prends l'intersection. Un truc du genre, on est d'accord? Voilà. Donc, on crée rapidement notre observation, un truc du genre. Donc, tu vas voir qu'ici, on aura, si je déplace ici, on aura ici, tu vois, insectivore est là et insectivore d'intérêt. Dans insectivore, il y a 5 observations et dans insectivore d'intérêt, il y en a maintenant 2. Les 2 qui nous intéressent. Ça peut aller. Donc, c'est un peu ça le schéma. Et lorsque tu as créé maintenant ta variable d'intérêt, ça devient comme un jeu d'enfant, quoi. Ça va se passer. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va utiliser ggplot. On refait le même schéma, en fait. Donc, ggplot, notre base de données d'intérêt. Enfin, notre base de données de départ sera insectivore pour qu'on puisse avoir tous les points. Donc, ça fait insectivore. Et au niveau de l'esthétique maintenant, bon, bah, ça fait là, c'était insens, c'est toujours le slip REM. Ça fait, on le fait rapidement, le slip REM. Au niveau de là, c'était Y, le slip. Total, on le prend comme ça, hein. On ajoute notre géome, le point, c'est pour qu'on puisse avoir tous les points plotés premièrement. On a tous les points qui sont plotés premièrement. Maintenant, on va revenir à notre géome test. Le géome test, c'est un géome qui est très intéressant. Donc, et au niveau du géome test, la base de données qu'on va utiliser maintenant, ça va être insectivore d'intérêt. On est d'accord pour que insectivore d'intérêt aille sur cette deuxième couche là, aille sur la première. On est d'accord là, donc ça fait insectivore d'intérêt. Et puis, au niveau de l'esthétique, et ça ne va pas changer. Donc, l'esthétique, ça va devenir quoi là? L'esthétique va faire Y. Ça y est, Y, ça fait... Bon, je vais aller un peu à la ligne. Je vais aller un peu à la ligne là. Pour qu'on puisse bien voir. Donc, ça fait et slip total. Slip total. Et on va faire moins 0,3. On ne va pas perdre le temps. On va faire moins 0,3. Et pour les labels, on va le mettre au niveau de name, parce qu'on est en train de travailler avec cette nouvelle base de données insectivore d'intérêt. On est d'accord? Donc, même à l'intérieur d'insectivore d'intérêt, il y a la variable name. Tu es d'accord? Donc, c'est elle qu'on va utiliser là. Donc, ça fait name. Et qu'est-ce que je fais encore? Regardons déjà à quoi ça ressemble là. Voilà, donc on a le même schéma qui s'exprime, mais on voit déjà que clairement on n'a pas ces observations qui sont annotées. On a juste celle-ci et puis celle-là qui est annotée. On est d'accord. Et on va faire ce qu'on avait déjà l'habitude de faire. On va réduire la taille, recalibrer pour que ce soit très bien. Pour que ce soit très bien. Donc, je viens ici au niveau de l'esthétique. Je vais dire pour la taille de le mettre à... On avait pris combien là? On avait pris la taille à 3 et la couleur au bleu. Bon, d'accord. On va mettre la taille 3. On va mettre la couleur. Je vais prendre du tomato. Je vais prendre le tomato 2. Un truc comme ça. Et j'exécute. Voilà, bon, ça commence pas à s'arranger. Là, c'était in, c'est là, c'était y. Bon, le problème se pose toujours. On va copier ici, simplement copier et coller. Ça y est, j'aime pas trop copier-coller, tu sais, non? Mais on peut faire ça rapidement et coller, on dépose ça dessus. Voilà, et on regarde à quoi ça ressemble là. Regardons un peu à quoi ça ressemble. Parfait, donc ça s'est amélioré et puis c'est bon.
On est d'accord là. Donc voilà, et on a quelque chose du champ. On a le point qui est labellisé là. Et puis ces deux points, c'est ceux-là qu'on veut montrer. Peut-être que c'est les plus grandes compagnies, les deux plus grandes compagnies du pays, de la ville, un truc comme ça, de la capitale, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et puis tu les identifies, le test est là. Et on a nos deux observations d'intérêt. Alors, c'est comme ça que tu fais quand tu passes, quand tu dis à R de faire le boulot pour toi. Ça y est, donc tu définis là-bas les observations d'intérêt, tu les définis. Et lorsque tu définis les observations d'intérêt, maintenant ce que tu fais, tu utilises ça au niveau du géome. C'est pourquoi dans la capsule précédente, je t'ai montré comment tu fais pour utiliser différentes bases de données, différents géomes pour faire le travail. Je t'ai montré ça dans la capsule précédente. J'ai assez bien fait asseoir cette base-là. Et je suis en train de construire dessus. Il faut regarder cela. Et maintenant, lorsque tu fais cela, tu travailles et donc tu règles ce problème là. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Alors maintenant, ça là, il y a une petite limite à ce niveau, c'est que tu ne peux pas contrôler le test. Par exemple, ici on a Giant, Amadillo, Nature. Supposons que tu voulais écrire tout en majuscule ou bien que dans ton travail, pour une raison ou une autre, tu avais déjà mis des abréviations pour le Giant, Amadillo. Tu avais dit par exemple que c'est le JA et que pour l'autre, tu avais dit que c'est le AER, un truc comme ça. Tu avais mis ou un truc spécifique. Ça y est, et c'est avec ce truc spécifique que tu veux nommer les tests. Les names qui sont dans la base là, c'est ça que R va utiliser forcément. Donc, si tu veux contrôler les names, si tu veux personnaliser les noms que tu places sur les points, dans ce cas là, tu ne peux plus utiliser Geome Test, tu vas utiliser la commande Annotate. Et comment tu fais cela? C'est ce que je vais te montrer pour le moment. Ah, et dans ce qui va suivre, on est d'accord? Alors, pour faire cela, on va utiliser ces deux points là. On va utiliser ces deux points là. Rappelle-toi que c'est les lignes de base, hein. On avait regardé ici, regardons rapidement ici, là, on va regarder ici pour rapidement se rappeler. Donc, regarde, ce premier point là, c'est le little brown bat, et puis ce deuxième point, c'est le big brown bat. Bat là, c'est ce qu'on appelle chauve-souris, les chauves-souris. Donc, le petit marron, les chauves-souris, les petits marrons et les grands marrons, on est d'accord? Donc, supposons que dans le test, dans ton travail, tu avais déjà dit que, par exemple, en abréviation, tu avais dit que le little brown bat, c'est ce que tu appelles le, on va dire, en s'amusant, quand disons le grand tel bébé, ça y est, et que pour les big brown bat, c'est tu avais déjà noté ça, grand B, trois fois grand B, un truc comme ça. Maintenant, sur ton plot ici, au lieu d'écrire tous les noms comme ça, tu veux mettre ces trucs, bon, c'est du n'importe quoi ce que je dis, hein, mais une façon pour voir, ça y est, on met en scène, on est d'accord? Donc, si tu veux faire un truc de ce genre, comment tu vas faire cela? C'est ce que je vais te montrer, regarde maintenant. Donc, on va garder ceci, que ça, c'est le L, hein, on va garder ici, que ça, c'est le B, le grand, ça y est? Alors, dans ce cas, tu fais le même schéma. Ça ne va pas changer. C'est la même chose, seulement que tu vas utiliser Annotate. Donc, on va utiliser data. Avec notre data, on va utiliser Insectivore, la base initiale. Ça y est, on a fini avec notre base d'intérêt. Insectivore et pour l'esthétique. Tu peux me dire, mais Lulus, pourquoi tu écris à chaque fois ggplot? À chaque fois, tu refais, tu écris ggplot. Pourquoi tu écris ça? Je suis en train de l'écrire comme ça parce qu'on est au début. Quand tu es au début, je te conseille de ne pas encore mettre les choses dans des boîtes. Écris les codes. Quand tu es au début, écris les codes. Ça y est, parce que c'est en écrivant les codes que tu vas les garder. Et lorsque tu gardes les codes maintenant, tu seras beaucoup plus confiant pour savoir ce que tu es en train de faire. Pendant, si tu veux mettre ceci dans une boîte, si tu fais, j'aurais pu te dire que tu peux donner un nom à ceci et puis utiliser ceci, te montrer des choses compliquées peut-être. Mais si ça va être de ton intérêt, c'est pourquoi je vais doucement pour te permettre de voir les choses. Ça y est, alors ça c'était une petite pause pour me permettre aussi de respirer. Allez, donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser ins. Donc celui-là c'était ins, on fait slip rum, celui-là c'était ig, et celui-là c'était ig, je vais faire slip. Total, le slip total. Ça y est, et on met notre geome pointer tout simplement. Et on regarde un peu à quoi ça ressemble déjà. D'abord, attention ici. Je ferme ici rapidement et on regarde à quoi ça ressemble. Parfait, et on a les points. On est d'accord. Maintenant, lorsqu'on a les points comme ça, ce qu'il faut faire, il faut utiliser Annotate. Donc, je vais faire plus Annotate. Allez, la particularité de Annotate, c'est que ça te donne la flexibilité de travailler, mais tu vas aller à tâtons jusqu'à avoir ce que tu veux. Tu ratatons jusqu'à voir ce que tu dis. C'est un peu ça le temps. Avec ggplot, quand tu le fais automatiquement, il te fait ça. Bon, maintenant ici, tu dois aller à tâtons jusqu'à voir ce que tu veux. Mais à la fin, tu as quelque chose qui est extrêmement personnalisé. Quelque chose que tu veux. On est d'accord? Alors, attends, je fais rapidement quelque chose. Je vais refaire rapidement quelque chose et te montrer quelque chose. Je fais Annotate. Annotate, regarde. Lorsque tu as Annotate là, tu vois ce truc qui apparaît là.
C'est très important de le regarder. La première chose, il dit que c'est quel diome tu veux utiliser pour que je puisse annoter. Quel diome tu veux utiliser? On va lui dire que c'est le diome test qu'on veut utiliser. Et il dit maintenant, quel est l'as des ins, l'as des y? Bon, pour le reste, on peut s'en servir, on peut s'en passer. Donc, le plus important ici, c'est de mettre le diome, l'as des ins et l'as des y. Et ensuite, notre label personnalisé ou bien ce qu'on veut. On est d'accord? Donc, alors, pour le faire, on va écrire ici, test, diome test. Et sur l'as des ins, bon. Prenons le little brown bat. Regarde, on voit déjà que le ins ici, ça ressemble un peu à 2. Hein. Là, c'était ins ici, c'est à 2. Et pour le y, on va dire peut-être 19,5, un truc comme ça. Donc, pour le ins, je commence déjà par dire 2. Et pour le y, je dis la position, c'est peut-être à 19,5. On va commencer par là et après, on va calibrer pour le label. Donc, rappelle-toi, hein. On va dire LBB, non BB, LBB, quelque chose là, comme ça, et on va peut-être mettre la couleur, on va mettre peut-être rouge, un truc comme ça, et on commence avec ça. Voilà, donc on a quelque chose de ce genre. Tu as vu, on a notre LBB qui est bien et la couleur est là. Donc là maintenant, ce n'est plus un test qui vient d'ailleurs, c'est un truc qu'on a personnalisé, on a fait top, finalement, et on a mis dessus. Ça peut aller, d'accord. Maintenant, je te montre encore une autre façon de faire. Peut-être tu peux dire, mais Lulu, si j'ai envie de faire pour le deuxième aussi, comment je vais faire? C'est la même chose que tu fais, ça ne change même pas. Tu fais plus et tu fais annotate. Le même principe, annotate. Le test, c'est le, attention, c'est le diome, c'est test. On va faire ins. Bon, prenons le big, disons autour de 4. Je vais commencer avec 4. Ça y est, et pour le Y, je vais mettre ça à 19,5. Attention, 19,5 comme ça. Je le mets à 19,5 comme ça parce que je sais que c'est pas très loin. Et après, on va voir comment on calibre. Ça y est, et on fait label. Pour le label, je vais mettre ça. Je vais dire BBB pour le big, pour la couleur. Là maintenant aussi, tu peux changer la couleur, comme faire comme tu veux. On peut mettre ça à quoi? On met la couleur à quoi? On met ça à quoi? Quoi? Orange? Orange? Bon, je vais voir une couleur qui est un peu plus cool. On va prendre le fire brick. On va prendre le fire brick et on met ça dessus. Parfait. Donc, quand je fais ça, regarde un peu à quoi ça ressemble là. On a un truc de ce genre. Ça, c'est un début classique. Je t'ai déjà dit, quand tu utilises annoter, tu vas personnaliser. Et quand tu personnalises, forcément, il faut ajuster jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. C'est comme ça. Ça y est. Regarde ce que je suis en train de voir. BBB est un peu trop décalé par rapport au point. BBB est un peu trop décalé. Je l'avais mis à 4, un peu trop décalé par rapport au point. Je vais diminuer, peut-être mettre ça à 3,9 ou à 3,8, un truc comme ça. Ça y est. Et puis, je vois que BBB est trop collé au point. Enfin, ou encore que BBB est relativement mieux par rapport au point, mais que LBB est trop collé au point, un truc comme ça. Donc, on va ajuster un peu ces choses-là. Et regardez un peu à quoi ça ressemble. Donc, ce que je vais déjà commencer par faire pour les BBB, je vais mettre ça à 3,9. C'est comme ça que tu travailles. C'est ça le boulot. En fait, c'est ça ton boulot. C'est pour ça que tu seras payé. Ça y est, le boulot, c'est ça. Ça y est, on va mettre ça à 3,4. Je vais descendre ça un tout petit peu ici. Et ici, on va mettre ça à 19,6. Un truc comme ça. Je monte ça un tout petit peu pour que ça puisse être relativement mieux collé. Et regarde un peu à quoi ça ressemble là. Voilà, donc tu vois, l'écart est relativement le même. Ici, approximativement, les points sont bien centrés. Et puis, on a quelque chose qui tient la route. Donc là, c'était ins, là, c'était y. Ça, on peut revoir. Regarde ici, la particularité, par exemple, ici, ce que je suis en train de voir, on n'a pas besoin d'augmenter, d'augmenter, par exemple, les as ici. Ça tient dans le frame. Ça y est, regarde, je mets ici. Ça tient dans le frame. Je n'ai pas vraiment besoin d'augmenter. Donc, ce que je peux simplement faire, c'est d'ajouter du label et puis, et ça va être fait. Donc, je vais rapidement copier ceci. Je copie seulement le label. Je copie et je viens ici, je fais quelque chose que je n'aime pas trop et je colle. On est d'accord? Voilà, et on va coller le label ici, paste. On va coller le label et puis voilà, là c'était ins et là c'était y. Et on exécute. Regardons à quoi ça ressemble là. Regardons, voilà. Donc le slip REM en heure, le slip total en heure. Ça y est, on a les points qui sont avec un titre, un truc d'insectivore et puis voilà. Donc, quelque chose déjà qui commence déjà par être bien et qui tient la route. Ça y est, voilà. Donc, c'est un peu déjà comme ça que tu commences à travailler, que tu poses les jalons et que tu regardes un peu ce que tu veux faire et que tu travailles en note. Voilà, c'est disons, ramasser un peu ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Comment tu fais pour annoter tes points? Ça y est, comment tu le fais? On est passé d'abord en utilisant Chiom Test, ça y est, et on a allé
en augmentant jusqu'à un niveau de personnalisation donné pour nous permettre de faire des choses qui sont relativement un peu plus avancées. Voilà, si tu as aimé, si ça t'a apporté un petit plus, abonne-toi si tu es là pour la première fois, mets-moi un pouce bleu, ça y est, si tu es déjà abonné, et puis partage, il faut partager avec des amis, des gens autour de toi à qui ça peut profiter, parce que ça y est, parce que je suis convaincu que la connaissance, lorsqu'elle se partage, elle ne se divise pas, elle se multiplie, c'est pourquoi je te donne les choses que j'ai, ça y est, et voilà, porte-toi bien, continue pas de travailler, si tu as des questions, pose-les moi, ça y est, pose-moi des questions qui sont reliées à ce que je suis en train de te faire dans la capsule, et sois patient, je voudrais profiter de cette occasion pour ceux qui sont en train de m'écouter pour dire à mes amis qui veulent que je fasse des vidéos sur des choses particulières que je vais le faire, ça y est, je vais le faire, mais il faut qu'ils soient patients et qu'on puisse aller progressivement. On est en train de construire, qu'on puisse aller progressivement, ça va se faire, vous ne serez pas déçus, vous êtes d'accord. Voilà, moi c'est Luce depuis le Japon, merci beaucoup.